Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Adventure Origin live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Pour réparer, il me faudrait une clé. Bon. Pas de problème. I know. Thanks anyway. So, why do you want to visit our professor? Well, it all began when Adam found a secret room hidden below Oxford, pointing us to this place. Incroyable. Isn't it? So anyway, there's supposed to be a connection between Luz and the Book of Genesis. Perhaps this professor will know more. It's all ever so exciting. Here, little birdie. Oh, Miss Appleby, you love the birds as well. We have so much in common. Hey, watch it. Yeah. Bon. Merci bien, monsieur. Je vais livrer ce colis, je vous l'avais dit. Pas de problème. Je trouve que ce facteur a un drôle d'accent. On peut lui faire confiance. Pas de problème. We have arrived. Welcome. Voilà, bienvenue à la belle ville de Luz. Homme pour son charmant, connu pour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Down there. Hello. Bonjour, mon nom est Adam Vent. Yes, yes, oui, le colis en haut, jeune homme. Je suis en retard. The grumpy old geezer didn't even hear me out. Said he wants his crate delivered to the roof. Well, I just got it. Je juste descendre le camion, ça mérite une pause. Union a fait la force. Seriously. Peu importe, transportez la caisse. Nous-mêmes, nous finirons peut-être par apprendre. We might yet learn something from this professor. Sure. Like how to be rude. But fine, I'll deliver the stupid crate. A little help here? The crate looks a bit too heavy for me. But you're doing a great job, Adam. You know, Evelyn, I think you would make a great postman.
Ah, je viens de comprendre. On dirait dessus. Alors. Still on break. Toujours en pause. Assez. Enfin, les dernières pièces n'attendent pas le pourboire, mon garçon. Descends. Demande-toi. Demande-toi, moi, Adam Ventura, le danger lui-même. Tremble quand il entend mon nom. S'il te plaît, Adam, mon ami, veut simplement dire que nous partageons votre intérêt pour Luz. Que savez-vous? Vous pourrez terminer d'abord la réparation de mes moulins avant, ensuite nous parlerons. About you fix the rest of my windmills, then we'll talk. Let's just go along with it, Adam. Bon, je vais faire vivoter ses moulins avant lui remontrer le moral, vois-tu? Tous les hommes sont comme lui. C'est trop injuste. Je répéterai à mon fils, à mon père, oui, bon, occupe-toi de ce côté, je m'occuperai de celui-ci. Pour une fois qu'elle aide, je vais pas la contrarier. Bon. On prend rien. Vous allez faire quoi, moi, là? Ça doit compris. Ah, faut que je me rende à 9 pour me rendre jusqu'à là. Faut que je me rende à 13. C'est un plus simple, ça.
Yes. Vous voulez vous réparer ces moulins? Je vais pour mon expérience, une merveille de la science, vous verrez, vous verrez. Yes, il est où? C'est plus simple à réparer ou quoi?
Que j'ai 21, ça marche pas. Faut que je finisse en haut. Pas proche. Hey, là, il est supposé marcher. J'ai 21. T'es une chiennasse. Ah, oh, fait que je tasse à droite. Non. Je vais venir me donner un coup de main. J'arrive pas à réparer ce moulin. Ah, oh, toi.
That was easy. Oh, did you figure it out? Ah ouais, je suis pas un retard, moi. Elle me ferme la porte au nez, qu'est-ce que je fais, moi? I should look around a bit. Je vais continuer à jeter un œil aux alentours. Ouais, c'est vrai, mais... Ah. Ça marche, un triomphe pour la science. Un triomphe pour moi, je vais enfin pouvoir s'ouvrir un café correct dans cette ville de Barbas, corsée à la perfection avec une goutte de quelque chose ou deux. Professeur Saint-Omer, pourquoi menez-vous recherches dans cette ville? Le son église présente un intérêt tout particulier aux yeux de la société qui finance mes recherches. Je ne suis pas autorisé à en parler. Alors, pas même après notre contribution à cette révolution scientifique. Le progrès scientifique a du bon sur le plan gutatif et mes recherches sont au point mort de toute manière. Eh bien, allumez le projecteur et vous direz ce que je sais pas. Il n'a rien glissé dans ton café. How does your projector work, Professor? Simple. It converts an electric current. La plus simple, convertit le courant électrique lumière. Cette dernière se concentre sur la faisceau, puis traverse une série de lentilles. C'est alors que c'est une énergie phonotique. Thanks. Ah, merci. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Adventure Origin live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.